Ils ont tout perdu ou presque. Ces commerçants du marché Momboué qui se sont battus pour éteindre les violentes flammes qui ont réduit leurs marchandises en cendres. Moi, je fabrique des bijoux, voilà mon place, des voilà. Et donc, tout s'est brûlé. Bon, c'est 3h du matin que les gens m'appelaient pour dire qu'il y a des feux. C'est moi, donc tout s'est brûlé. Il y a de l'or là-bas, il y a tout. Je ne sais pas comment je vais faire quand même. Ils, les commerçants, ne savent plus à quel saint parfois se vouer. Ils en appellent à la responsabilité des pouvoirs publics pour leur venir en aide. Depuis 2h, on est là, tout le monde a donné la renfort. Mais si qu'on voulait l'État, il nous aide. Tout le monde ici dans les marchés là pour construire cette marché là. Bien, nous donner un bon marché. On ne veut plus voir ça. Parce qu'ici là, on vend tout. Il y a des gens qui vendent des restaurants. Il y a des gens aussi, vraiment, ils vendent des moutiers à côté, en face, tout. On veut un bon marché. Les gens qui l'État, ils n'ont pas équipé de nous. Sinon, là, on est là, on a perdu tout. Il y a beaucoup de gens qui se débrouillent. Ce n'est pas les étrangers seulement ici. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui sont avec nous ici. Même vous pouvez regarder là, ils sont là. Un énième incendie dans le marché Momboué qui, sans doute, a dépouillé les commerçants de leurs activités quotidiennes. Toute chose qui devrait attirer l'attention des pouvoirs publics à mettre de l'ordre au branchement anarchique.